L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui s'intitule Sika, la prétentieuse. Roule. Ce conte, après avoir voyagé à travers âge et lieu, vient ce soir nous dévoiler l'histoire de Sika, une fille aussi belle que vaniteuse, arrivée à l'âge de se marier, de ses parents Koku et Massin, Dakunka, une redoutable bête sauvage qui a le pouvoir de changer d'apparence, de Maikili, la fée bienfaitrice, de Bossu, un jeune homme au grand cœur, d'une file interminable de prétendants de tout le village, et enfin, d'une poignée de commères. Un jour, les parents de Sika, sachant que leur fille était arrivée à l'âge de se marier, firent venir tous les prétendants connus de tous, et chacun d'entre eux avait bon espoir de trouver grâce aux yeux de l'une des plus belles filles du village, sinon de la plus belle. Mais c'était méconnaître le caractère superficiel de Sika. Hé ! C'est aujourd'hui que se présentent les prétendants de Sika. Ce qui est sûr, c'est aujourd'hui qu'on va voir de combien de couleurs les hommes sont faits. Elle a de la chance que je ne sois plus aussi belle qu'auparavant. Sinon... Trop laid. Pas assez riche. Mal proportionné. Sans intérêt. Tiens! Tu es trop près de la tombe. Il te manque des cheveux. Trop gras. Trop sec. Trop effilé. Pas assez intelligent. Pas à mon goût. Tu souris mal. Trop proche du chimpanzé. Manque d'élégance. Trop pauvre. Physique trop disgracieux. Ta case est trop proche de la nôtre. Trop voûtée. Pas assez poilu. Trop malheureux. Pas assez vigoureux. Trop nonchalant. Trop élancé. Mal habillé. Mal coiffé. Mal rasé. Mal chaussé. Elle dit cela jusqu'à la tombée de la nuit où elle finit par dire à Bossu, le dernier de la file. Tu es très beau, certes, mais tu manques de volume. Ça aurait pu marcher si tu étais en 3D. Massin, ce serait plus dire que ta fille exagère. Et je suis sûr qu'elle tient ce mauvais caractère de ta famille. Sika, ma fille, que peux-tu encore espérer d'un homme à part tout ce que tu as vu aujourd'hui? Mère, père, je voudrais un bel homme capable de me couvrir d'or de la tête aux pieds. Moi? Beau comme tout? Elle trouve que je suis proche du chimpanzé.
et dire qu'elle a la prétention de trouver un bel homme qui la couvrirait de richesse. Un tel homme ne saurait exister. Et qui a dit que je n'existais pas? Sur ces paroles, il se transforma en un bon jeune homme portant une calebasse d'or pour aller prendre la main de Sika. Je viens d'une terre où l'or coule dans les montagnes. Les rivières sont bordées de pierres précieuses et où la jeunesse et la beauté restent éternelles. Tu n'as point besoin d'en dire davantage. Je te prends pour époux, ici et maintenant. Un grand mariage fut organisé le même jour, donnant lieu à des effusions de joie et de danse rythmées par les tam-tams sous un ciel perlé de feux d'artifice. On a beau la trouver prétentieuse, elle a quand même réussi à avoir le meilleur. Et dire que nous allons devoir nous contenter de ce qu'elle a rejeté. Vous ferez mieux de prier pour que les rejetés puissent au moins s'intéresser à nous. Le lendemain, à la fin de la cérémonie, le beau couple s'en alla vers sa nouvelle demeure. Au bout d'une demi-journée de marche, Sika, impatiente, demande à son époux. Mon très cher époux, sommes-nous encore loin de ta demeure? Non, ma chère. Rassure-toi, nous y arriverons sous peu. Ils continuèrent de marcher, jusqu'à la tombée de la nuit. Elle demanda à son époux. Mon très cher époux, quand arriverons-nous aux portes de ton royaume? Bientôt, ma chère, bientôt. Mais après une autre demi-heure de marche, ils n'arrivèrent toujours pas chez eux. Et Sika, abattue par la fatigue, demanda encore une fois à son époux. Dis-moi, mon époux, pourquoi n'apercevons-nous pas encore les portes de ton royaume? Tu dois comprendre, ma chère, qu'un royaume aussi extraordinaire que le mien ne peut se situer près des autres sans susciter leur convoitise. Mais nous y serons sous Mais peu. Mais tout en disant cela, il le pensait. Le seul royaume que tu atteindras, ma chère, c'est celui de mon ventre. Pourquoi crois-tu qu'on ne se repose jamais? J'attends bien me délecter de ta chair quand la fatigue aura fini par avoir raison de toi. Je sais qu'il est craquant
Pour lui, j'ai dit que j'étais partante. On a quitté de chez mes parents. J'ai enfin le mari que j'attendais. Mais on a quitté depuis un moment. La distance est impressionnante. Chérie, je sais que tu me comprends. Je veux savoir ce qui m'attend. Dis-moi, quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive chez toi? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive chez toi? Oh oui, dis-moi s'il te plaît. J'ai besoin de savoir quand est-ce qu'on sera chez toi. Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive chez toi? Tu seras ma demeure bientôt. Tu verras à quel point c'est beau. Te fais pas de soucis, tu seras la première dame de cet endroit. Mais je sens que tu n'as pas confiance en moi. Je ressemble à un monstre, dis-moi. Regarde-moi droit dans les yeux. On s'est promis pour le pire et le meilleur. Bien sûr, mais là je n'en peux vraiment plus. Esprit de dignité, esprit de vérité, si vous m'écoutez, venez me délivrer. Monsieur, monsieur, puis-je vous déranger? Voyez-vous, j'ai une plaie béante à mon gros orteil qui attire constamment des mouches qui finiront par y pondre des œufs. Mais à cause de ma longue jambe, je ne peux pas les atteindre. Si vous pouviez aller jusqu'au bout de mon pied, m'en débarrasser, je vous en serais très reconnaissante. Ma route est longue, mais je ne saurais refuser mon aide à une dame en détresse. Mais ce qu'Akonka ignorait, c'est que la jambe de Maikili pouvait traverser la terre entière. C'est ainsi qu'une fois qu'il se fut suffisamment éloigné, Maikili se tourna vers Sika et lui dit: jeune effronté, c'est ton manque de discernement qui t'a mené ici. Avec cet homme, tu es en danger. Ce n'est pas vrai. Il est beau et riche. Et le seul danger que je cours avec lui, c'est d'être fatiguée avant de trouver ses montagnes d'or et ses rivières de pierres précieuses. Détrompe-toi, c'est Akonka, la redoutable bête qui a pris l'apparence d'un beau jeune homme pour aller te chercher dans ton village et ensuite te dévorer dans la forêt, loin des tiens. Non, je n'ose pas y croire. C'est la vérité pourtant. Et si j'étais toi, je prendrais mes jambes à mon cou pour rentrer chez moi aussitôt que possible. Comment? Mon village n'est pas à côté. Ta prétention t'a mené ici. Tu n'as plus qu'à espérer que tes jambes puissent te ramener chez toi, saine et sauve. Mais entre-temps, Akonka se rendit compte du subterfuge et décida de rebrousser chemin. «
Tenez, on dirait que la prétentieuse a besoin d'aide. En tout cas, pas moi, chimpanzé. Je ne bougerai pas le petit doigt pour cette fille. J'y vais, moi. C'est ainsi que Sika eut la vie sauve. Cette mésaventure lui permit de prendre conscience de ses erreurs. Après quoi, elle vint sur la place publique demander pardon à tous les hommes du village et accepta d'épouser Bossu, le paysan au grand cœur. J'aurais dû l'épouser quand cette prétentieuse de Sika était partie avec son monstre. Moi, j'attends seulement qu'il divorce. Moi, même le chimpanzé ne veut pas de moi. La morale de cette histoire, c'est qu'il n'est pas bon de juger les autres sur leur apparence, car l'apparence peut être trompeuse. Et pour vous, les enfants, vous devez toujours garder à l'esprit qu'il est dangereux de suivre des inconnus. Dis, Haruka, dans la littérature africaine, il y a un truc qu'on appelle proverbe. Qu'est-ce que c'est? D'abord, ce n'est pas un truc comme tu le dis. Un proverbe est une courte phrase qui exprime un conseil populaire, une vérité de bon sens ou d'expérience et qui finit par être employée par tout le monde. Peux-tu m'en apprendre un? Pas aujourd'hui, mais si tu es gentil, je t'en apprendrai un prochainement.